Voilà, donc je vous préviens. Aujourd'hui, donc c'est une recette un petit peu plus technique que ce qu'on avait fait la dernière fois, puisque la dernière fois on avait surtout une technique importante, c'était celle de la pâte à tarte qu'on reverra à la prochaine séance. Là, aujourd'hui, on va apprendre on va voir ensemble deux techniques assez utiles en pâtisserie, donc déjà la crème pâtissière et également la pâte à choux avec laquelle on va commencer justement. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à sortir tous les ingrédients nécessaires pour faire la pâte à choux. Donc, pour ça, il vous faut les 125 ml d'eau, les 65 g de farine, les 50 g de beurre, les 2 œufs. Et il va vous falloir une casserole, un saladier et une spatule. Donc, pour faire la pâte à choux, dites-moi si jamais vous n'êtes pas prêt. Vous commencez par mettre dans une casserole, donc moi elle y est déjà, hein, je l'avais déjà mise, vous mettez vos 125 millilitres d'eau dans la casserole. Vous y ajoutez les 65, les, non, pardon, les 50 grammes de beurre en petites parcelles. Vous faites chauffer le tout, mais vous ne mettez pas trop fort, parce que ce qu'on essaye d'obtenir, c'est à la fois l'ébullition de l'eau et la On fusion. n'entend pas bien. Vous n'entendez pas bien? Non. Peut-être essaye de parler dans ton micro et je pense que ça ira. Ok, est-ce que c'est mieux là? Là, c'est pas bon. Ok, donc je disais, dans la casserole, vous mettez les 125 ml d'eau et les 50 g pardon, de beurre. Vous mettez à chauffer. Et vous ne mettez pas trop fort, parce que si vous mettez trop fort, vous allez avoir trop d'eau qui va s'évaporer avant que le beurre ne soit fondu. Ce qu'on veut, c'est quand même conserver la quantité d'eau. Donc il faut essayer d'avoir un peu simultanément. Il y a des moments où on n'entend pas du tout. Ce qu'il faut essayer, c'est d'avoir simultanément la fusion du beurre et l'ébullition de l'eau. Donc je répète, vous faites chauffer l'eau et le beurre à une température pas trop importante, pas trop élevée. Je suis désolé hein, pour la qualité pour la qualité de du micro. En fait, ça va quand tu parles près du micro, quand tu parles près du micro, on entend très très bien, mais quand tu t'éloignes un peu, Ah c'est un ouais. peu plus difficile. Faudrait que j'achète un cardioïde alors et que je prends comme ça. Bon bah je vais me mettre là, comme ça vous entendrez mieux. Pour ceux qui viennent d'arriver, si vous n'avez pas vu le début, on commence par la pâte à choux. On met l'eau et le beurre dans une casserole et il faut faire chauffer pour que l'eau se mette à bouillir et que le beurre fonde. Voilà.
À côté, vous préparez la farine, puisqu'il faudra la verser en une fois. Alors attendez déjà que ça soit bien fondu et que l'eau boue. Une fois que l'eau bout et que le beurre est fondu, alors je suis désolé, je fais ça très vite maintenant parce qu'il ne faut pas attendre. Vous mettez la farine dedans en une fois et vous retirez du feu. Et avec une spatule, vous mélangez jusqu'à ce que ça vous fasse une masse. Ça va vous faire une sorte de masse qui colle à la casserole. Alors là, il y a des gens qui ont leur micro ouvert. Essayez de les couper peut-être pour pas que ça perturbe, pour pas que ça fasse des sons sur la vidéo. Merci. Donc, ça vous fait une sorte de masse comme ça quand vous avez mis la farine. Ça, vous remettez sur le feu et vous allez la travailler avec votre spatule pour la dessécher. Il faut la travailler sur la spatule pour la dessécher. Ce qu'on veut, c'est qu'à terme, vous ayez une masse qui ne colle plus à la spatule et qui ne colle plus à la casserole. Vous faites attention à ce que ça ne brûle pas, vous remuez sans cesse. Vous devez obtenir quelque chose qui a une texture assez lisse. Ce qu'il faut, c'est vraiment enlever un maximum d'eau. Voilà, donc c'est fini pour moi. Je vous montre la texture que ça a. Vous voyez, ça colle vraiment plus à la casserole. Hop. Vous voyez bien la caméra. Ok. Alors, vous prenez. Donc, une fois que vous avez fini avec le mélange eau, beurre, farine, bien desséché dans votre saladier, vous prenez un œuf, vous le cassez. Et vous mélangez avec une spatule, avec l'ensemble de votre masse. Donc, au début, ça va se disloquer un peu. Et au fur et à mesure, ça va se reformer. Vous ajoutez ensuite le deuxième œuf. Attention, les œufs, c'est toujours un par un dans la pâte à choux.
Désolée, ça a coupé chez moi un peu, donc je suis pas sûre d'avoir bien entendu. Il faut prendre la masse et mettre un œuf, c'est ça, tout simplement? Ouais. Vous prenez le mélange, vous y ajoutez un œuf et vous mélangez avec une spatule jusqu'à ce que l'œuf soit bien intégré dans la pâte. Ok, Une fois que merci. c'est fait, vous ajoutez le deuxième œuf. Une fois que c'est fait, on ajoute le. Le deuxième œuf. J'ai pas entendu, ça Une coupe. fois que c'est fait, vous ajoutez le deuxième œuf. Ah oui, pardon. Ok, merci. Donc, je vous montre le résultat une fois que c'est terminé. Donc, vous devez avoir une pâte qui est assez souple. Assez souple, mais par contre qui coule pas, enfin qui s'écoule, mais très lentement, vous voyez? J'attends que vous ayez terminé avec ça, et ensuite on va voir pour mettre les choux sur une plaque de cuisson. Vous pouvez aussi mettez votre four à préchauffer à 200 degrés. Bon, pour ceux qui sont prêts, vous allez prendre une plaque qui va au four et vous allez la recouvrir de papier sulfurisé. Et on va avoir besoin d'une poche à douille avec une douille ronde assez large au bout. Est-ce que tu peux montrer ta douille pour voir ce que ça veut dire large? Elle fait à peu près 1 cm là de diamètre. D'accord, merci. Voilà. Si vous n'avez pas de douille assez large, sachez que vous pouvez très bien juste couper, pas la douille, mais couper la poche à douille. Ça marchera pour les choux. Par contre, pour les remplir tout à l'heure, il vous faudra quand même une douille. Alors, je vais vous expliquer, là c'est important que vous regardiez, je vais vous expliquer comment on fait pour remplir proprement une poche à douille. Donc, vous la prenez comme ça et vous commencez avec le doigt, vous obstruez le bout au niveau de la douille là. C'est pour éviter que la pâte s'écoule pendant que vous remplissez la poche. Voilà, donc vous bouchez comme ça en repliant le plastique à l'intérieur. Ensuite, pour la remplir. Donc, si vous êtes droitier, vous faites comme moi. Si vous êtes gaucher, vous utilisez la main droite. Donc, moi, je prends la main gauche. Je prends la poche à douille comme ça avec la main gauche. Et je replie, je fais un ourlet. La poche à douille comme ça. En fait, vous voyez, elle est repliée entre mon index et mon pouce. Et pour la remplir, je prends ma spatule, la pâte à choux et je viens racler sur mon index. Vous voyez comme je fais, hop, pour que toute la pâte aille bien à l'intérieur. Et je remplis la poche à douille avec toute la pâte. Oui, il y a une question? Ok, donc si ça c'est clair, c'est bien. Une fois que c'est rempli, vous remontez l'ourlet
vous faites descendre le surplus de pâte vers le bas. Et il faut chasser l'air à l'intérieur de la poche à douille. Donc pour ça, vous la posez sur votre plan de travail et vous appuyez un peu sur l'appareil de manière à le faire remonter un peu. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de bulles d'air à l'intérieur. Et une fois que c'est fait, vous la refermez en serrant comme ça. Voilà. Et techniquement, vous pouvez la prendre avec une seule main. Dites-moi si vous avez des difficultés. Et une fois que c'est bon, vous étirez comme ça pour défaire l'obstruction qu'il y avait au bout et vous appuyez un peu pour que la pâte à choux aille bien jusqu'au bout de la douille. Alors, il y a une question. Ok, d'accord. Une fois encore, hein, vous me dites si je vais trop vite. Je me rends pas trop compte parce que comme je ne vous vois pas. Donc, pour ceux qui ont enfin rempli leur poche à douille, on va faire des éclairs. Du coup, sur votre plaque, il va falloir faire des boudins. Alors, vous les faites plus ou moins longs et plus ou moins larges selon la taille des éclairs que vous souhaitez faire. N'oubliez pas, la pâte à choux, ça gonfle beaucoup à la cuisson. Du coup, il faut faire des boudins qui ne soient pas trop serrés. Vous laissez toujours au moins 1 à 2 cm d'écart entre chacun. Voilà, moi je vais faire des éclairs pas très longs parce que j'aime bien les mini éclairs. Voilà. Alors là, c'est une opération, c'est l'utilisation de la pâte à choux, il faut vraiment avoir le coup de main. L'utilisation de la poche à douille, il faut vraiment avoir le coup de main. Je peux pas, c'est difficile pour moi de vous expliquer à distance. Le fait est que vous devez vous tenir à la verticale au-dessus de votre plan de travail et vous bougez pour faire votre boudin en déplaçant la poche à douille et vous essayez de faire un geste régulier pour avoir des boudins qui soient, qui soient eux-mêmes bien, bien droits et bien réguliers. Voilà, donc je vous montre, si vous voyez,
Si vous avez un pinceau de cuisine, vous pouvez le tremper un peu dans l'eau et vous l'appliquez sur les boudins pour les rendre un peu plus lisses s'il y a des aspérités dessus. Si vous n'avez pas de pinceau de cuisine, vous pouvez aussi le faire avec une fourchette que vous trempez bien dans l'eau pour pas que ça colle sur la pâte. Là, pour les boudins, c'est moins utile, mais si vous faites des choux, par exemple, ça vous permet d'écraser la pointe que vous laissez quand vous faites des choux. Une fois que vous avez fait vos boudins, sans plus tarder, vous mettez au four. Alors attention, extrêmement important, pour la cuisson des choux, vous ne devez jamais ouvrir le four pendant la cuisson. Le chou va gonfler et si vous ouvrez le four, bah, y a toute la chaleur qui va sortir du four et du coup le chou va se refermer. Et après il va sécher et en fait il ne sera jamais gonflé comme on veut. Donc vous n'ouvrez pas le four pendant la cuisson, ça c'est important. Du coup si vous voulez vérifier... Si vous voulez vérifier la cuisson des choux, vous contentez de regarder par la vitre du four. Le chou est cuit quand il est bien doré et quand il résiste aux doigts. Quand vous appuyez dessus, il faut qu'il soit un peu dur. Le chou ramollit toujours un peu après la cuisson, une fois qu'il est à l'extérieur. Voilà, donc s'il est un peu trop cuit, c'est pas très grave. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit doré. Il ne faut pas qu'il soit marron foncé. D'accord ? J'attends que vous ayez terminé avec ça. C'est à peu près combien de temps la cuisson ? Ah oui, pardon, j'ai pas dit. Alors, c'est à peu près 35 minutes. Enfin, moi, j'ai mis 35 minutes. Ça peut être modulo 5 minutes, quoi. Une fois encore, on met des temps de cuisson. Mais après, ça dépend des fours, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, le mieux, c'est quand même de surveiller. Ok, super. Quand vous avez terminé avec la pâte à choux, vous préparez tous les ingrédients pour la crème pâtissière. Donc, pour la crème pâtissière, il va vous falloir un voire deux saladiers. Bon, moi, j'en ai qu'un seul, donc je vais me débrouiller. Une casserole, un fouet. Et c'est tout. Voilà. En plus des ingrédients. Donc, pour la crème pâtissière, vous prenez une casserole, et dedans vous faites bouillir
les 220 ml de lait et les 5 centilitres de crème. Donc, vous mettez à chauffer et vous surveillez, hein, parce que vous savez ce qui se passe avec le lait. Si vous ne surveillez pas, ça peut se mettre à déborder. Dans un autre saladier, vous mettez les 30 g de sucre et les 2 jaunes d'œufs. Oui. Arthur, j'ai pas bien entendu, le lait, il faut le faire bouillir? Oui, vous mettez dans une casserole, vous portez à ébullition. D'accord, merci. Donc je disais, dans un saladier, simultanément, vous fouettez le sucre et les jaunes d'œufs. Juste pour être sûr, à ce moment-là, il y a un ou deux jaunes d'œufs dans le saladier? Deux. Une fois que vous avez fouetté, vous y ajoutez les 10 g de maïzena. Et vous fouettez encore. Vous voyez, ça va vous faire quelque chose de très dense, voire d'un peu solide. Donc, quand le lait bout, vous en versez une moitié dans le mélange jaune d'œuf, sucre et maïzena. Et vous fouettez bien. Ensuite, vous reversez le tout dans la casserole. Et à partir de ce moment-là, c'est l'étape délicate puisqu'il va falloir cuire la crème. Donc pour la cuire, vous la mélangez sans vous arrêter au fouet. Vous faites ça à feu moyen. Au fur et à mesure que vous fouettez, elle va épaissir. Ça peut aller très vite comme très lentement. Donc vous surveillez bien, il faut pas que ça accroche au fond, il faut pas que ça brûle.
excuse-moi, j'ai peut-être raté un épisode, mais le fécule de maïs, quand est-ce qu'on l'ajoute? Il faut la mettre après les jaunes d'œufs et le sucre, vous les fouettez ensemble. Avec les jaunes? Oui, et le sucre. Ok, d'accord, merci. Excusez-moi, quand est-ce qu'on sait que c'est cuit? Alors, c'est cuit quand ça vous fait une texture un peu de danette. Vous voyez? Là, la mienne, elle est cuite. Quand vous passez le fouet dedans, ça laisse une trace. Il faut que ce soit bien, bien lisse. Vous avez entendu? Pas très bien. Ah, bah je répète. Pas du tout. Il faut que ça... Vous voyez de la danette à la vanille? Allô? Allô, allô? Oh, ça, c'est... ça commence à être fatigant, ce truc de micro. Arthur, excuse-moi, on n'a rien entendu. Oui, je répète, il faut que ça ait de la texture de la danette à la vanille. Pâtissière est cuite, vous la mettez de côté. Juste Arthur, c'est normal que juste au moment où tu la remets sur le feu, juste pour la faire cuire, ça ressemble vraiment à du lait. Oui, au début c'est vraiment très liquide. Hein. Ok. Mais ça cuit très vite. Alors, pour les autres, si vous avez fini avec votre crème pâtissière, dans un saladier, vous allez mettre votre chocolat haché et vous le faites fondre au choix, soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Attention, au micro-ondes, vous le faites fondre en position décongélation. Si vous mettez au-dessus, ça va brûler le chocolat, il ne va pas du tout apprécier. Alors comme moi, je n'ai pas accès au micro-ondes parce que mon micro-ondes, c'est mon four, je vais le faire fondre en le mettant dans le saladier au-dessus de la crème pâtissière et il va fondre avec la chaleur de la crème pâtissière. Excuse-moi, j'ai pas très bien compris. Du coup, si on le met au micro-ondes, il faut mettre sur le mode décongélation. Oui, c'est ça. Oui. Sur décongélation, okay. Ou alors le plus bas, quoi. Donc, je disais, pour le chocolat, ce qui est important, c'est de bien regarder la quantité de cacao qu'il y a à l'intérieur. Quand vous achetez du chocolat pâtissier classique, où c'est pas précisé, souvent, c'est 52%. Dans la recette, il y a une quantité de chocolat différente selon si vous utilisez du chocolat pâtissier à 70% ou à 60%. Si vous utilisez du chocolat pâtissier à 52%, donc le chocolat pâtissier classique, il faut en mettre 10 grammes de plus que celui à 60%. Donc ça fait à peu près 105 grammes si je me souviens bien. Bon, mon chocolat n'est pas parfaitement fondu, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on n'a pas toute la journée. Donc,
Vous devez ajouter la crème pâtissière chaude au chocolat fondu. Vous commencez par y ajouter un premier tiers. Et avec votre fouet, vous mélangez bien. Ça doit vous faire quelque chose d'un peu élastique et d'un peu brillant. Il est possible que ça épaississe très vite ou que ça durcisse un peu, c'est normal, c'est à cause de la chaleur qui fait, parce que le chocolat, ça se comporte un peu comme une matière grasse et ça peut avoir tendance à devenir un peu granuleux. Ne vous inquiétez pas, ça se rattrape quand vous continuez à ajouter de la crème pâtissière. Une fois que c'est bien incorporé, vous ajoutez le deuxième tiers. Puis le troisième. Alors là, c'est une crème pâtissière au chocolat de base, hein, mais vous pouvez lui donner d'autres parfums, je veux dire, même si vous mettez du chocolat. Par exemple, vous pouvez faire chocolat menthe, chocolat piment, chocolat vanille. Pour ça, en fait, il faut faire infuser soit de la gousse de vanille, soit des feuilles de menthe dans le lait quand vous le faites bouillir. Idéalement, si vous voulez même bien parfumer le lait ou la crème, il faut mettre à infuser dès la veille, le soir, toute la nuit au frigo. Alors, pour ceux qui ont un mixeur, vous pouvez, une fois que c'est terminé, rajouter un coup de mixeur à l'intérieur de la crème pâtissière. Ça va lui donner une texture plus lisse, en fait, parce que ça va faire un peu comme une émulsion. Moi, c'est ce que je vais faire. Alors, je ne vais pas utiliser un mixeur à bras. Je vais utiliser un robot comme ça. Mais si vous avez un mixeur à soupe classique, vous pouvez utiliser ça. Alors j'ai une petite question pour la pâte à choux parce que de mon côté elle est déjà prête. Est-ce qu'on les sort du coup ? À quoi tu vois qu'elle est déjà prête ? Bah elle est bien dorée la plus, je pense que ça pourrait cramer en fait. Ok, bah si t'es sûr alors tu peux la retirer. Une fois encore, ça dépend du four, hein, c'est difficile. Ouais. C'est une question de à force d'en faire, vous choperez le coup de main. Hein. Bon, attention, là je ne vous entends plus pendant 30 secondes. Hein.
Voilà, donc là, les choux sont cuits. Ils sont même bien, bien cuits chez moi. Voilà, donc je vous montre. Donc vous attendez, vous les mettez de côté, vous attendez qu'ils refroidissent. Pendant ce temps-là, bah, vous pouvez faire votre vaisselle. Bon, je propose quand même qu'on passe à la suite parce que s'il y en a chez qui les choux vont mettre encore beaucoup de temps à cuire, malheureusement, moi, je peux pas attendre trop longtemps. Donc, bah, ceux qui attendent la fin de cuisson des choux, regardez bien comment on va faire. Donc là, on va remplir les éclairs avec la crème pâtissière. Donc pour ça, il vous faut une poche à douille avec une douille assez fine, éventuellement un couteau, vous allez comprendre pourquoi. Et donc la crème pâtissière. La crème pâtissière, elle est un peu liquide, surtout si vous avez mis un coup de mixeur. Vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est parce qu'elle est encore chaude. En refroidissant avec le chocolat, elle va avoir une texture un peu plus dense. Alors, pour remplir les choux, enfin pour remplir les éclairs, il y a deux techniques. Soit vous les remplissez par un bout, soit vous les remplissez par en dessous, en faisant plusieurs trous. Moi, je suis plutôt partisan de la technique par un bout, enfin j'ai plutôt l'habitude de faire comme ça, quand ce sont des petits éclairs. Quand ce sont des très gros, il faut plutôt faire des trous en dessous et vous remplissez de cette manière-ci. Bon. Excusez-moi, on vous entend très mal. Ah, est-ce que vous m'entendez là ? Je vais rapprocher. Allô, allô, allô. Allô, allô. Oui, là, c'est bon. Ok. Donc, je disais, pour remplir les choux, soit vous faites un trou d'un côté. Avec, vous voyez, moi, la forme de ma poche à douille, ça, c'est idéal. Enfin, la forme de ma douille, ça, c'est idéal. Parce qu'avec ça, vous faites un petit trou et vous remplissez comme ça. Avec un couteau, si vous remplissez par un côté, avec un couteau, vous faites un petit trou de l'autre pour pouvoir chasser l'air au fur et à mesure que la crème remplit l'intérieur du chou. Donc, vous commencez par remplir votre poche à douille. Avec la technique qu'on a vue tout à l'heure pour la pâte à choux. Donc, vous faites l'ourlet. Comme ça, vous bloquez ici. Et vous remplissez la poche à douille avec la crème pâtissière. Alors attention parce que c'est un peu plus liquide. Donc, pour remplir les choux, rien de plus simple, comme je vous disais. Vous commencez par faire un trou avec votre poche à douille. Hop. Et vous appuyez délicatement. Alors, évidemment, s'il y a un petit trou dans le chou, ça va sortir un peu partout, comme je viens
comme je viens de le voir, c'est pas très grave. Au moins, ça vous dit quand votre chou est rempli. Et vous faites ça pour tous vos choux. Alors c'est une opération un peu salissante. Hein. Je ne sais pas si vous voyez comment ça se passe chez moi. Oui. Oui, Arthur, oui. Si la crème pâtissière est trop liquide et sort de partout. Attendez, dans ce cas, attendez qu'elle. Mettez-la au frigo et attendez qu'elle soit un peu plus dense. On la met un peu au frigo, d'accord, merci. Oui. Après, si elle est vraiment trop liquide, ça peut vouloir dire qu'elle manque de cuisson aussi. Malheureusement, une fois qu'on a mis le chocolat dedans, on ne peut plus trop la remettre à cuire. Mais bon, je pense que si vous la mettez suffisamment longtemps au frigo, ça ira. Ouais. On congèle. Ok.
Bon, on va voir ensemble pour faire le glaçage. Donc là, on va faire ce qui s'appelle une glace royale. Mais dans le commerce, vous pouvez aussi acheter ce qu'on trouve plus généralement sur les éclairs, ça s'appelle du fondant. Alors, je ne sais pas si ça se trouve dans la plupart des supermarchés, mais en tout cas, si vous allez chez Metro ou chez Promocash, là, ça se trouve. C'est un truc qu'on met sur les éclairs pour faire plus joli. Donc là, on va faire avec de la glace royale. Donc pour ça, il vous faut les 35 grammes de blanc d'œuf, les 100 à 125 grammes de sucre glace, quelques gouttes de jus de citron, donc ça, on mettra 5-6 gouttes, et les 10 grammes de cacao amer. Voilà. Donc 35 grammes de blanc d'œuf, ça équivaut à un blanc d'œuf à peu près. Donc, dans votre saladier, vous mélangez, vous mettez le sucre glace, le blanc d'œuf, vous ajoutez quelques gouttes de jus de citron, et vous mélangez avec un fouet. Alors moi c'est ce que je craignais, j'ai un truc qui est un peu trop liquide. Donc je vais rajouter du sucre glace dedans. Là ça va être mieux, je vais vous montrer la texture qu'il nous faut. Voilà. Donc ça s'écoule toujours, mais vous voyez, c'est quand même, ça fait quand même quelque chose de très dense. Je sais que c'est pas forcément clair à voir comme ça.
En fait, faut qu'on sente que c'est quelque chose qui accroche bien. Donc, vous y ajoutez le cacao amer. Donc, j'ai mis 10 grammes. Ça équivaut à une grosse cuillère à café. Hein. Et vous fouettez bien. Et donc ça, on va l'utiliser pour recouvrir les éclairs. Alors, les éclairs, moi je vous conseille de recouvrir la partie qui est soit la plus plate, soit la moins belle. Donc ça, c'est à votre appréciation. Donc, vous le trempez comme ça. Vous laissez un peu s'écouler. Et vous le reposez, évidemment, le glaçage vers le haut sur votre plaque. Arthur, excuse-moi, il y avait de la crème liquide à ajouter à un moment ? Quoi, dans le glaçage ? J'ai pas entendu. Dans le glaçage ? Oui, non. Il me semblait avoir vu 5 centilitres de crème liquide entière. Ah, c'était dans la crème... pardon, je suis sur la ligne précédente, ah, oui, excuse-moi. La crème pâtissière, ça. Donc en fait, c'est un peu à l'œil, hein, la glace royale, mais il faut que vous ayez quelque chose de suffisamment dense pour que ça reste bien sur l'éclair et que ça s'écoule pas totalement à côté. Voilà. Et une fois que la glace royale est mise, soit vous la laissez sécher à l'air libre, soit pour gagner du temps, vous mettez au four à 50 degrés pendant quelques minutes, même à 100 degrés. Vous ne mettez pas trop fort et pas trop longtemps pour pas que la crème pâtissière à l'intérieur elle souffre. Mais ça va permettre de faire sécher un peu plus rapidement. Voilà, donc une fois que ça a séché, je vous montre comment c'est.
Donc vous voyez, ça fait une couche bien lisse sur le dessus qui ne s'écoule pas. Ah, si vous voyez bien, hop, je vais les remettre un peu encore parce que j'ai besoin que ça aille plus vite. Et puis bah du coup, pareil, quand vous avez fini, n'hésitez pas à mettre une petite photo et puis surtout à dire si c'est bon et si ça vous a plu. Merci beaucoup Arthur. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. C'est bon pour tout le monde, il n'y a plus de questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup Arthur. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.